Si je crie, cette vidéo s'arrête immédiatement. On va faire plein d'épreuves dans cette vidéo. Si jamais je crie, la vidéo s'arrête immédiatement. Deuxième épreuve. Je peux péter. Je peux pas crier, mais je peux péter. J'ai mis deux. Et les gars, vraiment, si je crie, la vidéo s'arrête. Genre, vous aurez même pas la fin de mon cri. C'est la première fois qu'on se dit au revoir comme ça. Au cas où, merci d'avoir suivi la vidéo. Bisous. En fait, c'est bizarre parce que j'ai peur alors que je sais très bien en plus ce que c'est. Je suis nul à chier. Oh, putain, ça devient dur. Une souris verte. Non, c'est pas à zéro. Oh bâtard, putain. Pourquoi je suis tendu là? Alors je sais très bien ce qui va arriver, mon cœur il bat plus vite. Là tout de suite, vous voyez les pulsations de mon cœur. C'est faux, j'ai rien. Putain, là j'ai le BPM de Nekfeu, 75. Wouah! Ça se complique là. Mais je sais que je vais me faire avoir là-haut, parce que ça, c'est plus dur, c'est obligé. Ah je stresse, il y a 10 niveaux. Bah, arrête de me prendre pour un con, on sait tous que c'est là que ça va arriver. C'est horrible, même quand tu le sais, c'est horrible. Si j'avais pas été préparé à ça, j'aurais crié. Touche mon cœur, viens. Ouais, tu fais ça, vraiment. Mec, c'est trop bizarre, j'arrive même pas à parler ou quoi, ou parler fort, parce que j'ai l'impression que sinon je vais crier, je me retiens dans ce que je dis et tout là. Bon bah, on passe à la troisième épreuve. Allez, bâtard, j'ai compris. Alors, quand tu vas mettre le casque, tu vas être là pour 30 minutes. Quand tu penses que ça fait 30 minutes, tu nous appelles, et si ça fait pas 30 minutes, on rajoute 10 minutes à ton temps. Oh les bâtards. Ça va aller ou pas? C'est horrible, j'ai aucune notion du temps. T'auras aucune notion du temps. Essaie de te faire des strats, je sais pas, essaie de compter sur tes doigts. Je triche pas, hein. Je compte sur toi. Ah c'est atroce. Je sais pas quoi vous dire. Je fais trop mal, premier degré. C'est horrible. De base, j'avais pas de problème avec les couvercles qui font ça, mais là c'est atroce. Au début, quand je me suis installé, que j'ai mis le casque, je me suis dit, mais frérot, je vais jamais crier là-dessus. Je peux crier d'énervement, genre. Ah, j'ai chaud. Ok, là on doit être à 2 minutes. Il s'excite là, il s'excite là. Oh, je suis tendu de ouf. J'ai des sueurs. Bon, j'en profite pour vous parler. Ça me fait du bien. Juste les gars, abonnez-vous à la chaîne. On a dépassé les 300 000 il y a pas longtemps, encore merci. Et venez, on passe les 500 000 abonnés, les frérots. Venez, on les passe vite. Vraiment vite. Vraiment, vraiment, vraiment vite. Je m'entends pas, du coup, je dois mal articuler et on doit rien comprendre. Je sais pas pourquoi ça me donne envie de vomir. Voilà. J'ai envie de dégueuler. Comme les chats là, vous savez, il... Oh là, ma mère, je vais y avoir un rejet. C'est comme les chats, vous savez, avec les peignes là. Quand on fait cric, ça là, j'ai envie de vomir. Pourquoi? Je pleure. Mais ouais, j'aurais jamais pensé que ça allait me faire ça. Mais quoi? C'est quoi ce phénomène de con? Je pense que là, on a 10 minutes. Vous avez le temps là. Du coup, est-ce que j'ai bon ou pas? J'en sais rien. Et vous savez quoi? À partir de maintenant, vous allez ne pas savoir le temps comme moi. Et comme ça, vous verrez si j'ai réussi à arrêter à temps. J'ai envie de hurler, j'ai envie de hurler, j'ai envie de hurler, j'ai envie de hurler, j'ai envie de hurler toute ma force là. Ok les gars! Allez, dites-moi que ça fait 30 minutes. Oui. Pour moi, c'est limite 40 minutes là. Si j'ai fait 40 minutes, je suis un génie. Et vraiment, j'arrête YouTube et je me relance dans les études. Okay. C'est faux. Sur 30 minutes, il te restait. Hein? Où tu as passé? Ah. Il te restait 5 minutes. À te dire. T'as fini par 5 minutes pour eux. Du coup, on lui rajoute 10 minutes, hein? Ouais. Donc là, tu dois encore faire un quart d'heure en gros. Ça va aller pour répondre. En fait, j'ai bien compté à la fin du coup, mais j'ai mal compté au début, j'ai été trop vite. Il me restait 5 minutes. 5 minutes. J'ai failli hurler. La vie de ma mère, j'ai failli hurler là. Dénervant, là, je suis énervé. J'ai l'impression que le frérot, quand il passe avec son couteau sur le côté, genre c'est toutes les 3 minutes à peu près. Mais je compte, j'ai compté 2 fois et c'est à peu près vrai. Trois fois que j'entends le couteau, il me reste 15 minutes. Du coup, on est à 9 minutes. Allez, je le rentends encore 2 fois et on est 100% sûr que ça fait 15 minutes. Vous allez voir, je suis sûr de moi. Je me suis fait niquer 1 fois, pas 2. Donc moi, vous le voyez, là on est actuellement à ça. Pour moi, on est à 15 minutes. Crape plus fort, vas-y, crape plus fort. Pour moi, on est à 18 minutes, les gars. Terminé. Putain, si j'y vais, j'ai faux. Oh non. Bah, allez, c'est bon, je les appelle pour moi. Ça fait 18 minutes. Ok les gars, c'est bon. 18 minutes. 18 minutes, t'as passé? Ouais. 14 minutes 53. 14 minutes. Non, c'est pas vrai, non. Non, ça, non, vous me prankiez là. Non, je te jure, c'est vrai. Allez, casse-toi. Ça va être interminable. Tant pis, je vais aller plus loin. Une putain de minute. Oh putain, casse le cou. Au moins, on a 8 minutes. Le temps, je suis sûr que c'est ça. Là, pour moi, là, 17 minutes, c'est sûr. Allez, c'est bon. La prod, c'est bon. Venez, venez, venez. J'en peux plus, sa mère.
J'ai fait exprès de dépasser parce que j'en pouvais plus. Ah ouais? À 17 minutes. Du coup là pour toi t'as passé plus que 11 minutes. À large. T'as passé 10 minutes 59. C'est pas vrai, vous foutez de ma gueule. Non, c'était une vanne. C'est bon, tu avais pas la fait. On est au Nikito, trampoline park privatisé pour nous. Encore une fois, merci, on avait déjà dormi ici, c'est trop des bons, c'est la mif. Par contre, Nicolas m'a amené ici, je vois qu'il a un petit bandeau dans les mains, je sais pas ce qu'on va faire, ça me fait vraiment peur. Tiens, pour commencer, mets ça. Voilà, on sent venir les problèmes. Et je vais te pousser à plusieurs endroits différents sans que tu saches la hauteur. C'est horrible. Écoutez bien, c'est horrible. Parle pas trop fort. Vas-y, tourne, je te dis arrête. Ok, super, j'ai mal au crâne, j'ai envie de vomir. C'est ça le délire? Ah, c'est horrible. Donne ta main. Tu veux me marier? J'ai quoi? Dis-moi si jamais il y a des trucs où je dois lever le pied. Ouais, t'inquiète. Wesh. Vas-y, monte sur ça. Compte ouais. Jusqu'à 3 et tu sautes. Hein? En avant. Mais c'est haut ou pas? Je te dis pas. 1, 2, ah, c'est horrible. 3. Oh, j'ai envie de crier. C'est horrible. Sinon, je te pousse. Attends, je peux avoir confiance en toi ou pas? Je sais pas. Quoi? 3, 2, 1, go! Tu l'as senti ou pas? Comment j'ai failli crier? Ah, oh, c'est un chien, il m'a poussé, c'est encore pire que tout! Ah, oh, ça fait peur quand même. Parce que trampoline, faut pas croire, hein. C'est pas parce que ça c'est mou que tu te fais pas mal, hein. Tu peux te faire super mal, hein. Moi je connais parce que je suis un professionnel maintenant de Nikito, on m'appelle le Nikitoman. Non, je suis là. Ok. Allez, go! Un peu. Par contre, vraiment, je sais pas qui a porté ce truc là, mais ils sont super bons, c'est pas normal. Voilà, je tiens à le dire. Là. Bouge pas sinon tu vas tomber, moi je te dis. Attends, qu'est-ce que je fais? Je vais te pousser encore une fois en arrière. Hein? Putain, en arrière c'est le pire vraiment, fais pas ça. 3, 2, 1. C'est horrible. C'est la pire des choses. Ça fait vraiment trop peur. En plus, là, vu que c'est dur, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je ne vais pas crier. D'ailleurs les gars, si vous aimez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, il y aura un épisode 2, proposez vos idées. Et abonnez-vous à cette chaîne aussi, c'est très important les frérots. On a dépassé les 300 000, go les 500 000. Il y a un deuxième étage dans ce trampoline park. Ouais. Où il y a des mini-jeux et tout. Ouais. Je pense qu'on va aller là-haut. Allez viens, vas-y avance. J'avance vers où? Je te dis. Même si tu te dis au fond, se trouve, il n'y a rien, ça fait quand même toujours peur. Manteau? Oui. Quand je te dis de sauter, tu sautes. Hein? Putain, ça fait trop peur. Attends, faut juste que je me remette dans le truc là. Ok. Ok, attends, faut juste que je me prépare, parce qu'à chaque fois dans ce concept-là, le plus dur, c'est juste ne pas oublier de pas crier. Donc faut juste que je ne me mette en condition pour ne pas crier. Ça me fait trop peur. Mais t'as juste à sauter. Ouais, juste à sauter, sauf que je sais pas, c'est haut ou bas, espèce de con. Maintenant. Attends, ouais. Les gars, si j'y vais, abonnez-vous parce que c'est horrible, je vous jure, faire ça, c'est la pire des choses. Abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, qu'on arrive les 500 000, 1 million, et 2 millions, 3 millions, 4 millions. Let's go. Bon allez, le décompte. Ah, c'est pas crier, ça. C'était jouer, on est d'accord. 2, 1, go. Oh, c'est horrible. Il a pas encore sauté, il a eu peur. C'est horrible. 3, 2, 1, go. Est-ce que vous avez senti ce silence ou pas? C'est atroce, j'imagine même pas de faire un saut élastique ou en parachute les yeux bondés, mec, ça doit être atroce. Mais en vrai, ce qui m'a réconforté, c'est les t-shirts qui sont trop bons. L'odeur me rassure. Tu trouves pas, Nico? J'ai pas l'odeur du t-shirt. Putain, t'es là-bas? Ouais. Putain, je croyais que t'étais vraiment là, là. Allez, viens. Non, j'ai pas envie. Là, je vais où, là? Viens, là. Eh, viens là. Allez, viens, toi. Non, je rigole. Là, c'est le toboggan, là. Attention, attention! Quoi, attention? Attends, je vais faire quoi, du coup, là? T'inquiète, rien. J'ai trop mal! Oh, putain, t'as failli m'avoir. Regarde la trace. C'est une trace? Mais tout rouge au dos. Bravo pour cette idée, parce que franchement, j'ai encore le dos qui chauffe. Il est l'heure de dormir! Malheureusement, non, il y a un compteur devant, je vais pas faire genre je suis pas au courant, je suis au courant pour ça parce que je dois me laisser faire pendant 10 minutes. Je vais me faire chatouiller et j'ai pas le droit de bouger. Je suis désolé, je fais tout pour pas rompre. Attendez, pousse, c'est vraiment littéralement la pire souffrance au monde. Il y a pas de pause. Vas-y, je le tiens.
Je suis tout rouge de partout, je sais pas si ça se voit. C'est la pire souffrance au monde. Ouais. Manteau ? Oui. Devant toi. T'as fait 5, t'y tiens ? Bah ouais, quand même. Bah, si tu cries pas maintenant, je te la jette par la fenêtre. Nicolas, t'es en alternance avec moi. Tu tiens à ton alternance. Ok, je vois le retour, ok. Le trophée ? Oh les bâtards. Ah, par contre ça, la PS5, ok ça coûte cher, c'est relou. Mais par contre le trophée, ça c'est sentimental, t'as pas le droit de faire ça. Scoot de Street avait déjà tenté. Oh non. C'est son trophée, c'est son trophée des 100 000. Y'a un mec avec un marteau devant. Non mec. J'ai marqué un dans les bras, c'est chiant. Ah, j'ai crié. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait un psychopathe, on dirait un mec qui me fixe là. C'est quoi, fais ce que tu veux. Ah ouais. Mais fais gaffe aux conséquences. Les conséquences sont des causes. On va voir devant la fenêtre quand tu vas l'avoir volé si tu vas crier ou pas. Wesh. Ils sont dans mon jardin, les gars, là. Oh, j'ai failli crier en mode, oh, les gars, faites pas les cons. Les gars. Non, t'es prêt? Wesh, il est tout en haut. Vas-y. Wesh. Non, il va pas le faire. Non. Moi. Non. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. On a un temps, t'as baisé, c'était une fois. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette mini PS5? Oh putain, j'ai eu peur. Attends, vous avez vraiment acheté une mini PS5? Regarde, il y a rien dedans. C'est quoi cette PS5? Non, en tout cas, bravo, parce que vraiment, j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, attends, ce truc va vraiment le faire. Parce qu'il m'a demandé. Bah oui. Je suis plus serein, ça y est là. Il la tient fort sa PS5. Prochaine épreuve, je sais pas c'est quoi, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des dominos. Comme tu l'as remarqué à l'instant, il y a des dominos. Ouais. En face de toi. J'ai peur de ce qu'il me dit, pour l'instant c'est amusant, c'est cool. Tu vois, tu vas faire un petit parcours. Le temps que t'as pas fini ton circuit de domino, des électrodes sont branchées sur toi et des touches à n'importe quel moment s'activeront. Bien sur le biceps, c'est bien, t'as raison. Que là c'est une vidéo, faut pas que je crie. Des fois j'oublie genre. Et je me connais, je crie tout le temps, donc sur la queue lui. Non, c'est une blague. Oh putain. Non mec, je stresse de ouf. C'est cool, en plus ça se voit qu'il s'y connaît de ouf, ça rassure de fou. Attends, bah j'enlève la veste, ça sert à rien, je voulais me faire beau gosse pour la vidéo, mais voilà. Doucement, je stresse fils. En plus j'ai mis sur le cœur ici. Non, viens, on change. Ah ouais, mais ouais, t'inquiète, parce que arrêt du cœur sauvagerie. Ah. Ça fait tout ça. Il y a 4, il y a 25 trucs. Non. On va pas aller à 25. Okay. Mais gros, la vie de ma mère, que gros, je ne peux pas placer un domino. Les gens ils croient que t'abuses, mais je sais que c'est vrai, mec. Je peux pas placer le domino. Je transpire. Dirais un mec d'orchestre. On dirait j'ai syndrome de Gilles de la Tourette, la vie de ma mère. Wesh, là c'est trop là. Moi j'ai failli crier. Gros, je peux pas en placer. Arrête, wesh. Laisse le bras un peu tranquille pour qu'il construise un peu le parcours. Oh putain, ça fait du bien. Tu t'attaques à une autre partie là. Ça bouge là, frérot. Ça bouge tout seul. Oui. Pas le bras. Il s'en sort trop. Pas le bras. Regarde mon bras. Là, c'est, vous faites le truc le plus rageant au monde, pousse le truc le plus insupportable parce que je ne contrôle rien à ce qui se passe. Regarde, je fais des virgules. Touchez pas, s'il vous plaît. Faites pas les gamins, les gars. Oubliez pas, on est ensemble. Ah merde, putain, je me suis rapproché de son poids. Ah putain, le cadreur, il est con, hein. C'est pas grave, on a fait tous des erreurs dans la vie, hein. Hein. J'ouvre ma gueule, je dis, on fait tous des erreurs, j'en fais une. Il s'en sort, il s'en sort. On dirait une meuf qui veut me désaper. Regarde, la force, c'est dans la tête tout ça là, c'est dans la tête. Non, abuse pas, laisse-moi là. C'est dans la tête, non, c'est trop. Chef d'orchestre. Par exemple, si le micro grisille, ça veut dire, voilà, la vidéo se cut, c'est que j'ai crié.